Je suis le dirigeant et le fondateur de Logiline, une entreprise donc, que j'ai créée en 2006 et qui a pour vocation apporter des solutions aux professionnels de la piscine depuis 16 ans maintenant. Nous sommes ce qu'on appelle éditeur de logiciels. On a commencé par créer des logiciels pour les fabricants de liners, fabricants de bâches, de volets, pour leur permettre d'automatiser leur production. Et à partir de 2012, on a utilisé tout notre savoir-faire que l'on avait dans la piscine et en particulier dans la conception de bassins, pour apporter cette fois-ci un logiciel précisément aux pisciniers, pour leur permettre de concevoir des projets en 3D très facilement. Le côté simplicité est vraiment primordial. Et le deuxième axe aussi important, c'est d'apporter aussi des solutions techniques avec le côté fabricant, pour apporter des solutions pour la déclaration préalable de travaux et puis également pour la construction avec la partie pièces à sceller. Nous, notre vocation, c'est de rendre accessible le numérique, de rendre accessible la création de projets, de contenus. Notre vision, c'est ça, c'est finalement permettre à nos clients de mettre en avant tout ce qu'ils savent le faire et de leur simplifier la vie. Le premier gros avantage que l'on amène, c'est le côté service. Donc ça se traduit avec une hotline qui est disponible en cas de questions, de soucis. Mais également, on va apporter aussi beaucoup de conseils à travers des webinaires que l'on organise très régulièrement pour vraiment leur permettre toujours d'aller un peu plus loin dans la connaissance du logiciel pour en tirer davantage profit. Les points forts, c'est l'innovation. Pour toujours apporter des nouvelles solutions, aller toujours un peu plus loin, c'est vraiment rendre accessible des choses qui ne le sont pas forcément. Notre point fort, c'est vraiment de combiner ce côté finalement efficacité et simplicité. Alors, ils vont nous retrouver dans le hall 4, sur le stand 4H91, et on sera heureux, là, pour la cinquième fois, de leur présenter les nouveautés à travers des démos que l'on va organiser pendant tout le salon. Donc, par rapport aux nouveautés, plusieurs choses seront présentées. Tout d'abord, des nouveautés qui vont concerner la simplicité avec des nouveaux configurateurs. Aussi, quelque chose qui va être mis très en avant, c'est l'aspect esthétique. Ça va permettre de faire des rendus plus beaux, plus réalistes, plus convaincants encore. C'est l'occasion de se rencontrer. On organise un apéro festif le jeudi soir, auquel on invite tout le monde à venir nous rejoindre autour d'un verre et pour échanger.